Non, ce que j'aime bien, c'est que ça clash dedans en fait. Ouais, c'est beau. Ça, t'es lourd. C'est fou les gens quand même. Allô? Ouais, ça va et toi? Bah ouais, carrément. Ouais, mon anniversaire. Bah, je voulais le faire justement. Je vais t'en parler parce que je voulais le faire en boîte. Mais après, je me dis aussi. Je vais le faire aussi dans une salle privée, tu vois. Hey, c'est dit que tu m'as sûrement vu dans des vidéos telles que mes débuts sur internet ou encore dragué avec mon petit frère. Bref, aujourd'hui, je. Bah, c'est la merde parce que j'oublie l'anniversaire de ma meuf. Je sais pas quand est-ce que c'est. Je sais que c'est bientôt et. Va falloir que je trouve une solution. Donc je te dis à tout de suite et très bonne vidéo. Bah, après, tout le monde devient en voyage ou pas ça, Voici ma copine, Laura. Une fille adorable, mais qui peut se vexer un peu trop vite. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Ouais, je sais, t'es en train de te dire, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Il est même pas fichu de se rappeler sa date d'anniversaire. Et ça, c'est moi, Eddie. Le mec qui est un petit peu dans la merde. J'ai déjà 5 idées pour me sortir de cette situation. C'est parti. Idée numéro 1. Si je joue la carte de l'honnêteté, je pense que ça pourrait passer. Écoute, Laura. Attendez, je peux te parler. Comment te dire? Je préfère être honnête avec toi. Je me rappelle plus de quand est-ce que c'est ta date d'anniversaire. Je sais que ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça la fait pas trop, mais au moins je préfère être honnête avec toi. Ma date d'anniversaire, Eddie, 5 ans qu'on est ensemble, putain de merde. Ça va, ça va. Une putain de date, Eddie. Mais ça va, t'es pas obligé de partir dans les extrêmes. Mais reste... Putain, mais viens là. Une date d'anniversaire. Idée numéro 2. Je pourrais me faire passer pour un cambrioleur. Je m'introduirai chez elle pour lui dérober son portefeuille dans lequel se trouve sa carte d'identité. Oh, parfait. Vous faites quoi? Chez moi? Attention! Parce que j'ai une arme à feu. Moi je pourrais très bien vous tirer dessus. Me tirer dessus? Oui! Oui! Hein? Ah, je vous tire dessus! Fantôme du voleur, j'adore! Ah mais! Accompagnez-moi! Ah mais la salle! Parle de qui là? T'es sérieux? C'est Laetitia, merde! C'est pas parce que je dis blague party que ça y est, hein? Ouais. Ouais, avec un barbecue, je pensais. Passe-lui bonjour. Bah beaucoup de ketchup mayo après tu... Idée numéro 3, son code de téléphone. Elle a sûrement dû mettre sa date de naissance. Un peu comme 95% des gens le font aujourd'hui. Merde, c'était la mienne. Idée numéro 4, et si je me mettais dans la peau de son psy? Là je pense que je pourrais la faire parler. Parlez-moi un peu plus de vos souvenirs lointains. Par exemple vos anniversaires, comment ça se passait? Ah mes anniversaires quand j'étais enfant. Bah j'ai jamais vraiment fêté mes anniversaires. Une date d'anniversaire par exemple, la vôtre? Et pas vraiment d'amis, je m'appelais Laura. Année 96, tout le monde s'appelait Laura. C'était super original. D'accord, ouais. Vous faites quoi? Mais c'est quoi ce psy là? Moi j'essaye d'aller mieux et vous prenez dans mes affaires. Idée numéro 5, dans la peau de son coiffeur. Ils sont toujours très proches de leurs clients. Tu vas faire quoi la semaine prochaine? Mon anniversaire. C'est quel jour? Bonne soirée. Bah c'est... Bon, je me suis un petit peu emporté là. Je pense que la meilleure solution en soi, c'est d'être honnête. Bah écoute, Laura. Attends deux secondes. Oui? Je préfère être honnête avec toi. Je me rappelle plus de quand est-ce que c'est ta date d'anniversaire. Après, oui, je sais, ça le fait pas trop, mais. Je sais pas, je préfère être honnête. Ma date d'anniversaire, Eddie! T'es sérieux? 5 ans, putain! 5 ans qu'on est ensemble et t'oublies ma putain de date! Ma putain de fucking date! Je vais juste la maîtriser. Puis... Ma date d'anniversaire, merde! Ça va? Non! Une putain de date, Eddie! Mais ça va, t'es pas obligé de partir dans les extrêmes! Mais reste. Putain, mais viens là! Une putain de date, tu sais pas rentrer! Attends! Une putain de date, Eddie! Une date! Une date, Eddie! Attends! Une! Donc, tu sais quoi? Tu me laisses! Attention! Quoi? Ah putain d'anniversaire comme ça! Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc like, commente, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Surtout qu'est-ce qu'on n'oublie pas, tout doit être down. Je suis pas morte. Tout doit être down.